Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous accueille un petit peu avec la vue du salon, une fois de plus, parce que vous allez voir que l'entrée en matière est abrupte, sinon je vais tout de suite vous emmener à l'atelier. Ça va être un vlog avec plein de papotages sur plein de sujets de cette semaine qui vient de s'écouler. Je vous montre cette partie du bureau parce que je viens d'enlever un bazar inouï, vraiment inouï. Je ne voulais pas montrer avant parce que vraiment est-ce utile de montrer autant de bazar. J'avais mis en fait en fond tous les cyanotypes que j'avais fait sur tissu. Et là, il n'y a que ce que je vais garder. L'ordinateur, les cahiers que j'utilise, mes infos, un cadre auquel je tiens, qui m'a été offert par Annelise. Mes chargeurs de batterie, mine de rien. Avec ce que je filme, il faut quand même que je puisse charger. Et donc après, là, on repart sur un bordel inouï. Excusez-moi. Bon, reparlons de la page blanche. Donc cette partie-là, finalement, je l'utilise pas mal pour faire les montages, pour faire l'ordinateur, pour faire ma compta, pour faire beaucoup de choses. Avant, je m'étais dit que je le ferais là parce qu'il y avait la lumière. Et en fait, c'est pas un endroit que j'aime beaucoup. Je crois qu'en fait, j'ai besoin de plus de profondeur, moi, quand je fais les choses, pouvoir m'étaler. Là, c'est bien pour les filles. Pour l'instant, ça reste pour les filles. Donc, je vous montre avant, maintenant que c'est propre, et je vous montrerai ce que j'ai fait. Ce que j'espère avoir réussi à faire ensuite. Aujourd'hui lundi, je vais très très vite ne plus vous montrer ma tête parce que vraiment, c'est pas pour ça que je suis venue. Je voulais vous montrer ce coin-là. Je vous ai dit que je vous montrerais ce que j'ai fait et en fait, j'ai vraiment pas fait grand-chose. C'est tout bête. J'ai en fait besoin que ce soit clean et j'adore comme ça. J'ai juste laissé les carnets que j'utilise. Vous voyez, ça c'est les trucs que j'ai remontés qui étaient en bas. C'est les deux derniers tricots. Donc là, j'ai repris le tulipe, je l'ai fait. Je l'ai fini en une après-midi là. Je voulais rallonger le corps et faire des côtes toutes bêtes. Et ça c'est le malabar que j'ai terminé aussi. Donc ça sera pour vous en parler, mais il faut que je le range. J'ai laissé le calendrier perpétuel que j'ai là, qui est super joli. On me l'avait offert, ça c'était un beau cadeau, vous voyez. Donc je note les anniversaires dedans. Je me suis juste mis cette petite maison qui était sur l'autre meuble et qui servait à rien. Je vais essayer de trouver une lampe pour mettre dedans. Là c'est juste une boîte où j'ai mis un... Elle est extrêmement moche, hein, mais j'ai mis un écoprint dessus histoire de... Et c'est juste pour ranger les choses qui vont avec l'ordinateur et le chargeur qui là était branché. Voilà, il n'y a rien. Et en fait, quand je vais m'installer, je peux mettre le bazar. Et après, je serai motivée à ranger. Et ce sera très bien. Je réalise que j'ai rangé hier. Et il y a déjà du bazar absolument partout. C'est terrible. Mais bon, Alma est là. Donc c'est vrai que la maison, c'est un peu une boutique de loisirs créatifs, quoi. Parce que au moins elle s'occupe pendant que je travaille. Et c'est déjà cool. Donc je range parce que si lui s'arrive là-dessus, on est mal barré. Donc là, c'est clairement leur bureau. Et ça le reste pour l'instant. Par terre, on était presque bon et je suis en train d'en remettre partout. Les tissus en cours et je suis en train de coudre et je vois que là, c'est terrible. Il y en a partout. Et là-bas aussi. Mais que voulez-vous, hein, c'est comme ça. J'ai la machine vapeur qui roule. Et alors donc le pire c'est que donc là j'ai un peu cliné et regardez-moi cet enfer, c'est l'enfer. Voilà, donc j'ai vraiment du boulot pour savoir comment aérer là, parce que ce serait super que ce soit un peu aéré. Déjà normalement il n'y a pas tout ça, mais bon, bref, toujours est-il que je voulais vous montrer les monotypes que j'ai fait. J'aurais dû vous montrer pendant que je les faisais, mais j'avoue je n'ai pas pensé, j'étais contente d'avancer. Et vous voyez, j'ai réussi à trouver le moyen de faire des monotypes pailletés. Et je suis trop contente, ça tient très bien. Quand j'en fais comme ça, histoire de ne pas avoir des choses trop géométriques qui se répondent. Parce qu'en fait, le principe, c'est d'ancrer une feuille. Et donc, j'ancre un côté et l'autre. J'ai deux côtés. Donc, je peux faire deux empreintes. Et pour ne pas faire des choses trop géométriques, comme ça, là. Vous voyez qu'il y en a une là et une là. Je prends un autre bout de tissu qui est déjà taillé. Bon là en l'occurrence c'est pour faire un rabat de pochette à aiguille. J'en fais plus trop en ce moment. Et j'en ai fait d'autres et ils sont super jolis, j'adore. C'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Donc en plus on voit super bien les paillettes. J'ai bien dosé là, je suis très contente. Donc là des feuilles d'érable. Hop, il y a encore des feuilles sur les arbres. Je fais ça avec des feuilles fraîches, érables. Et alors cette plante, je ne sais pas ce que c'est. Mais je l'ai trouvée très belle. Oh là là, que c'est beau! Oui, j'aime qu'il y ait de la paillette absolument partout. Voilà.
Donc ça c'est pour les contre-empreintes. Et j'en ai une sur la machine à coudre. Est-ce que j'ai terminé? Oui. Hop, je rentre. Donc ça va être une petite pochette plate avec son petit monotype. Celui-là est tout discret. Hop là. Voilà. Donc je me régale. J'avais envie de venir vous voir parce que je regarde des vlogs en ce moment. Et donc j'essaye de trouver. Ça fait 2 mois que j'ai pas acheté de crédit Audible parce que j'ai pris des choses qui faisaient partie de l'abonnement et donc ça n'a pas consommé un crédit. Et puis j'attendais un petit peu parce que je me dis j'écoute autre chose, j'écoute des podcasts et j'essaye de regarder des vlogs parce que ça me j'aime bien. Bon, alors on n'a pas besoin de choses différentes en fonction des moments. Et j'ai aussi, je me suis fait une liste sur France Culture. Il y a Pars vite et reviens tard, je crois que c'est ça, de Fred Vargas. Alors j'ai jamais pris les livres en crédit Audible justement, mais j'ai envie de, je suis sûre que ça me plairait, Fred Vargas, et je ne connais pas. Donc comme j'ai pas le temps de lire des bouquins, j'ai essayé, puis je j'y arrive pas. Je vais essayer de voir sur France Culture. Je sais qu'il y a une je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est une adaptation audio. Et il me semble que quand ils font ça, ils reprennent. J'avais écouté Joël Dicker, l'affaire avec Noah Keller là. Donc j'avais bien aimé. Et donc c'est un peu mise en scène, il y a des bruitages, il y a des choses comme ça, il y a des, je crois qu'il y a des personnes qui jouent les voix. Donc je vais écouter ça, je vous dirai ce que j'en ai pensé, si ça vous intéresse. Et je me ratatine. Et je viens d'écouter là un vlog où elle conseille des livres. J'écoute aussi Eve Atelier V3 qui a sa chaîne boutique, qui a sa chaîne, je fatigue déjà, qui a sa chaîne lecture, et elle en lit tellement. Donc j'essaye de regarder quand ils sont sur Audible, ceux qui me disent bien, et là elle vient de me conseiller cette jeune dame que je ne connaissais pas, vlog Cosy d'automne, qui es-tu? Qui es-tu? Elle est au Québec. Et la chaîne, c'est Mimi's Story. Et alors, elle a une chaîne beauté, que je ne suis beauté, que je ne suis pas, mais là, elle a une chaîne à côté, elle fait des vlogs, j'aime bien. J'en ai regardé 1,5. Hein. Je dis pas que j'aime bien ses vlogs, ils sont très bien pour l'instant. C'est tout à fait le genre de choses où elle décore sa maison. Il y a toute sa maison est décorée pour l'automne. Je sais pas combien il y a de cartons dans son garage pour juste la déco d'automne. Elle a donc des meubles entiers, des surfaces entières dans sa maison qu'elle peut décorer comme ça. Alors ça, moi, je suis tout à fait d'accord pour le regarder sur internet, mais alors clairement jamais je fais ça. Ça fait 4 ans, je crois, que j'essaye de me faire une guirlande d'automne et de me bidouiller une citrouille en tissu. J'étais assez motivée cette fois-ci, et puis vous voyez, je ne l'ai toujours pas fait. Je vais lâcher l'affaire, puisqu'il faut déjà que je pense à la collection de Noël. Et chez moi, c'est plus le bordel que vous venez de voir là, sur toutes les surfaces. Donc quand il y a une surface où j'arrive à rien mettre, en fait, je la laisse comme ça. C'est très rare qu'il y ait une surface où il n'y a rien. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est supprimer les yeux. Il faut ça. Voilà, il faut ça parce que sinon, sinon c'est la panique. Et s'il y a une surface avec de la lumière, de toute façon, ce sera pour une plante. Donc voilà. Non, c'est une cata, faut pas que je fasse cette séquence trop longtemps, c'est chaud, c'est pas possible. Mais là, je viens d'avoir un petit coup de cœur, je pense que ça peut être cool. Il fait 11h05, donc je vais me le prendre avec un crédit, je pense. Je fais pas un crédit pour prendre un livre, hein. C'est comme ça que ça s'appelle sur Audible, quand on prend un livre avec notre abonnement, on gagne un crédit. On en a un par mois. Et là, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevich. Hop. Et voilà, et bien écoutez, ça me dit bien. C'est une histoire de sorcière, alors j'espère que ça me plaira. Quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées, c'est la règle. Agonie et sorcière, félicité passeuse de fantômes, le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre, mais le fantôme de leur mère reste introuvable et les témoins de sa vie, mort ou vivant, en dessine un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée et multiple? Leur quête de vérité emmènera les sœurs
des ruelles de Nice au désert d'Almeria, de la vallée des merveilles au village abandonné de Provence, et dans les profondeurs des silences familiaux. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez cette histoire pleine d'étrangeté, incarnée par l'inventive et talentueuse Clotilde Seille. C'est celle qui lit et apparemment tous les commentaires sont dithyrambiques. Donc je vais essayer ça et je me dis, là on est lundi et vous avez vu, j'ai une chemise d'automne. On en a déjà parlé que je m'étais acheté cette chemise que je voudrais mettre tous les jours. Et que si vous connaissez un patron qui a ça là, des fronces là, et quelque chose de très bouffant, alors que c'est pas du tout mon délire, mais il faut avouer que les manches sont assez courtes, donc ça passe. Et juste voyez... blouse comme ça avec... Oh, j'adore. Et alors vraiment l'amplitude qu'ils me font en ce moment, parce que je n'ai aucune envie de me mouler. C'est parfait. Par contre, c'est vrai, c'est terrible. Là, je l'ai payé 35€. Et ça va, hein, on avait pire, je me suis fait un cadeau. Mais les finitions, j'ai coupé 14 fils dès que je l'ai eu. Et là, ce matin, je me suis trouvé ça. C'est pas dramatique, hein, mais bon. Et alors là, le nombre de fils qu'il y avait ici, là, qui sortaient dans tous les sens, d'ailleurs ils sortent encore. Ça, je me rappelle ma propre mère, quand, comme elle a toujours cousu, elle me disait, elle regardait toujours les finitions des trucs qu'on achetait. Ah, oh, c'est pas possible comment c'est fini. Des fois, l'intérieur de vos vêtements, regardez si vous faites de la couture, c'est assez dingue. Et après, nous, on s'embête parce que, oh, cette couture, elle est un peu bof. Hein. Bref, non mais j'adorerais un patron comme ça. Je sais que justement ma maman a un patron qu'elle a trouvé récemment et je vous en parlais dans la dernière vidéo en vous montrant les tissus, Mondial Tissus. Il faut que je voie avec elle si elle est motivée là à s'y mettre parce que j'ai très envie de blouse comme ça. J'ai essayé de m'en trouver sur Vinted mais alors vraiment je suis nulle sur Vinted. Voilà, j'ai acheté un pantalon, une combinaison en croyant que c'était une robe. Et une robe, honnêtement, il n'y a rien qui va. Super. J'ai acheté deux chemises très amples comme ça. Et il y a aussi un truc qui n'allait pas, mais là carrément elle m'a remboursé parce qu'elle n'arrivait pas à m'envoyer le truc. J'adore. Bref, ce sera le petit blabla de début de vidéo. J'ai déjà fait le début de cette vidéo normalement, non? Ah ben non, peut-être pas. Je ne sais pas, je vais voir. Donc je vous laisse là-dessus, je vais coudre et je vais profiter de m'atlasser. Et je vous retrouve plus tard. Je pense que j'ai une tête de déterré. C'est parce que je suis très fatiguée. Bonjour du mercredi. Je ne suis pas venue vous voir hier parce que j'avais pas l'énergie. Attends, j'avais des petits trucs à vous montrer, mais je vais vous les montrer maintenant. Alors, nous sommes mercredi. Et je galère bien en ce moment parce que Luce a beaucoup besoin de moi. Et j'avance pas trop sur le reste. Mais je viens vous montrer deux... C'est deux ou trois petites choses que je me suis offertes justement pour mon organisation. Parce que pourquoi ce ne serait pas la bonne excuse pour s'offrir des trucs après tout. Je pars dans tous les sens parce que je suis vraiment en mode 36 trucs. Donc j'ai déjà un petit peu lâché la rampe sur mes listes de choses à faire par jour alors que ça marchait si bien. Mais je vais m'y remettre absolument. En même temps que je vous parle, je prépare le code promo de la boutique qui va commencer vendredi. Oui. Et donc, je vais peut-être essayer de sortir ce vlog avant que... Mais bon, j'ai fait une vidéo spéciale pour présenter les choses qu'il y avait dans la boutique, justement, parce qu'on oublie, hein, c'est vraiment une vidéo d'auto-promo, ben, autoproclamée et tout à fait assumée. Et puis voilà, je suis très contente de l'avoir faite parce que ça met beaucoup de bazar, j'ai tout rangé. J'ai essayé de tourner des séquences pour faire un réel, je ne sais pas à quoi ça va ressembler parce qu'alors j'avais Luce, puis ensuite Alma, et ensuite il a fallu descendre, et ensuite il a fallu que je finisse. C'est n'importe quoi en ce moment, donc c'est pas grave. Hein. Donc le code ce sera laisse, je l'écris en direct, laisse filer 20 avec beaucoup d'imagination, n'est-ce pas? Et ce sera 20%, voilà tout de même. C'est un gros pourcentage mais clairement les montants minimum d'achat, il n'y a pas de montant minimum d'achat. Voilà, et c'est créé. Donc...
J'ai décidé ça, parce que vraiment ça ne partira jamais, et que ce stock il est là, et il y a des choses tellement jolies que je veux leur laisser une chance à ces pochettes d'être adoptées par quelqu'un. Donc voilà, ça c'est une chose, il va falloir donc que je fasse un tout petit montage pour cette vidéo aujourd'hui, et j'ai bien avancé mais... J'ai bien avancé mais pas terminé, j'ai les finitions de cette série-là à faire qui sera donc en ligne une fois que le code promo ne sera plus actif, si j'ai réussi à tout finir et à faire les photos, mais on y croit. Et ceci dit, je vous montre mes beaux cadeaux que je me suis fait. J'ai commandé une fois de plus, c'est la deuxième fois, chez Lanasson. J'ai gardé cette petite pochette parce que vraiment, est-ce que c'est pas trop joli? Cette petite carte de visite avec le tampon, le petit scotch, donc ça c'est sa petite carte de visite. J'adore. Maintenant je vais lui montrer, je vais l'enlever de là. Je vais peut-être me le mettre là. Donc, hop, mon petit... Bon, évidemment, il y a toujours des trucs qui traînent, hein. L'eau du fer à repasser, mais cette poutre, elle est pratique pour mettre des choses auxquelles je dois avoir accès, des trucs importants. Du genre code, numéro de client et compagnie. Oui, ces trucs sympathiques que je suis incapable de retenir. J'ai mon petit carnet de mots de passe, là. Même si tous mes mots de passe sont pas là. Ça, c'est mon truc pour faire les listes, My Pocket To Do. Qui en fait est beaucoup trop élaboré. Moi j'ai pas besoin de tout ça, j'aurais juste besoin d'un truc avec des lignes. Ce qui était le principe de ça, ça c'est vraiment cool. J'en ai vu parce que Pauline m'a parlé. Vous voyez, ça c'est largement suffisant pour faire une liste. Et c'est très 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 pratique. En fait, ça suffit. Tu écris ta journée, tu écris ce que tu as à faire dans ta... Tu écris le nom du jour. La date, Claire, la date. Et ensuite, ce que tu as à faire. Et ça suffit largement. J'avais pas besoin d'autres trucs. Mais je n'utilise plus trop pour ça parce qu'il y a mes mots de passe dedans et que je veux qu'ils restent dans quelque chose. C'est bête, hein. Mais en tout cas, ça, ça suffit largement. Il n'y a pas d'application à avoir ou autre. Alors moi, j'ai quand même pris... J'ai tout pris. J'ai pris une application que l'on m'a conseillée. Ça s'appelle TicTic. Je vous mettrai le nom exact. Donc je l'ai téléchargé. Il y a plein de choses très... pratique et accessible gratuitement. Après il y a toujours, on peut faire plus compliqué, on peut organiser ses repas, ça c'est dans la version payante je crois, enfin je suis sûre, donc du coup j'ai pas regardé en détail. Moi j'utilise la liste à faire, alors ça se présente comme ça, voyez, c'est pareil, il y a des petits trucs, tu coches et ça passe dans le fond de la liste en rayé. Et il y a aussi la liste pour les courses, ça c'est très très pratique parce que c'est comme tout le reste, j'y pense en plein milieu d'autre chose, je sors mon téléphone et je l'écris. Ça c'est pratique que ce soit sur mon téléphone parce qu'il a quand même tendance à être près de moi. Et celle-ci je la garde quand même parce que ça me servait avant pour écrire ce dont j'avais besoin. Donc ça c'est très bien. Je vous ai montré la semaine dernière mon semainier. Avec une semaine, une illustration. Mais ça commence au 1er janvier 2025 ou d'ici là. Je ne vais pas attendre 2025. Donc, j'ai testé un truc, j'ai repris un truc grâce à Pauline Ulmeretz qui, quand elle a regardé cette vidéo, coucou Pauline, m'a fait des petites vidéos pour me montrer ce qu'elle faisait elle. Et elle en a trouvé un trop joli. Elle fait avec un planeur. Donc, je me suis acheté un planeur. J'avoue que j'ai pensé avant le semainier. Et en fait, ils vont être très complémentaires parce que l'agenda, le semainier que j'ai acheté, je vais vous le montrer, mais ça sert à rien de vous en parler. Voilà. Donc, c'est les joyeuses semaines avec Matou. Et ça se pose sur le bureau. Et on peut mettre les images, une image et une semaine. Le truc, c'est qu'effectivement, c'est quand même assez petit pour la semaine, pour que j'écrive chaque jour ce que j'ai à faire. Même si ça rentrerait. Mais c'est surtout que moi, je veux que ça remplace mon agenda. Et il y a quand même des notes et tout, donc c'est tout à fait bien. Mais je voudrais aussi pouvoir traquer les périodes où je fais les mises à jour. Enfin, tout ce que je voulais mettre dans mon agenda à la base et que je ne mets pas. Mais là, comme ça sera sorti,
je n'aurai aucune excuse pour ne pas noter mon truc. Donc les dépenses, les entrées dans la boutique, tout ce qui est pour ma compta et aussi tout ce qui est publication de vidéos, mise à jour de site. Et alors du coup je pense que c'est... Et puis anniversaire, rendez-vous, tout ça, mais les rendez-vous sont sur mon téléphone et... Je note mes anniversaires dans l'agenda, mais il faut que ce soit sur mon téléphone. Si j'ai pas le rappel 14 fois dans la journée avec le truc là, j'oublie d'envoyer le message ou d'appeler. Voilà, on se connaît, on se refait pas et donc on s'adapte. Donc je pense que les deux seront complémentaires avec les grosses. Je pense que je me ferai sur la partie notes les gros objectifs de la semaine et j'utiliserai ça. Donc moi j'ai pris ça avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et la fin de semaine. Parce que bon, j'ai des grosses listes le week-end, mais bon, j'essaye de pas les noter. Et pourquoi j'ai choisi celui-là? Il est en italien. Bon, je l'ai trouvé sur Amazon. Et il était pas cher, j'avoue. Je l'ai trouvé sur Amazon et du coup il est en italien. Planner settimanal. Planner settimanal. Mais je comprends que lunedì c'est lundi, martedì, mercoledì, giovedì et venerdì. Donc je le fais en espagnol alors que je sais pas si on le fait. Bref. On s'en fiche en fait. Et surtout, je l'ai choisi. Alors qu'il y en avait avec des fleurs qui me plaisaient plus. Mais là, il y a juste une zone vide. Et là, il y a juste une zone vide aussi. Et moi, je voulais pas de trucs comme ça, là. Tracker. Je peux bien essayer de traquer des trucs, hein. Mais il y avait trop d'endroits où c'était, je sais pas moi, important. Tout est important. Il faut tout faire. Il faut réussir à penser à tout. Et alors, les trackers, les trucs de sport et compagnie... De là j'ai fait du yoga ou non, ça ne sert à rien pour moi. Donc à la rigueur j'aimerais dans l'avenir traquer mes publications sur les réseaux, être régulière, tout ça, mais on n'y est pas et c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je pense que ce sera bien parce que j'ai quand même assez de place par jour et surtout j'ai une feuille derrière, hein. Si je veux rajouter quelque chose, j'utilise ça. Et à la fin de la semaine, pioup, et ce que je veux garder de ma semaine, je le mettrai dans l'autre. Qu'est-ce que j'ai l'air organisé comme ça? Vous remarquerez que je l'ai... Non, je l'ai que depuis hier, donc ça va. J'ai juste commencé à écrire des trucs, mais ça part quand même dans tous les sens. La nature revient. Donc je vais essayer de m'y remettre. Et ça n'a ni queue ni tête, mais comme d'habitude... J'ai aussi commandé chez Lanae, mais j'ai commencé par vous dire, c'est pas Lanae, c'est Lanasonge. Oui, bon, je suis fatiguée, ça va être une cata. Donc Lanasonge, je vous ai montré la pochette, j'ai affiché mon truc sur ma poutre et je vous ai pas dit ce que j'avais commandé. Deux blocs. Donc j'aime beaucoup les blocs-notes et ils sont trop jolis. Je suis trop contente, j'ai trop bien choisi. Trop. Je dis toujours à ma fille, hein, jamais trop. Ben, je le dis tout le temps en fait. C'est pour ça. Donc, le petit patchwork... Bon, moi, je vois ça comme des patchworks. Bon, c'est des petites cases, quoi. Absolument trop mignon. Il est tout petit, celui-là. Mais ça peut être bien. Et celui-ci, qui est vraiment absolument trop chouchou. Voilà. To do, scratch me. Donc, je ne vais pas écrire ma to do, mais c'est pour les listes. J'ai besoin d'un truc comme ça sur mon frigo. Il se trouve que je suis... accro à ces trucs-là depuis que pendant le troc de l'Avent... J'ai eu reçu un comme ça de Cow from Woodland qui était avec des décorations d'hiver. Et j'ai adoré utiliser ce petit bloc-notes. Après, j'avoue que je sanctifie un peu le truc au départ, mais il faut avoir des bloc-notes à la maison. Autant qu'ils soient magnifiques comme ça, non? Donc, je vais en garder un à l'atelier et un en bas pour tout ce qui est course et compagnie. Je sais pas lequel va aller où, mais voilà. Donc je voulais vous montrer ça et je vais me taire et travailler le temps que ma chère enfant veut bien dormir. Et je vous reprends plus tard pour vous parler des petits cocos du jeudi. Alors, je viens vous voir, j'ai terminé, ça y est, les coutures à la main de cette mini série de pochettes que je mettrai en ligne donc après que la promo soit terminée. Alors, il n'y a pas beaucoup de pièces et vous allez mal les voir parce que là où vous êtes, il n'y a pas de lumière. Hop. Tchouk, petit passepoil. Et j'avais envie, cyanotype avec des petits trèfles.
Là, on a... J'adore cette série. Là, j'ai vraiment mis tout ce que j'aime, avec toute simple derrière. Donc là, matelassage droit, là, petite vagounette. On m'a demandé, c'est ma machine hein, qui fait les vagues. Hop, monotype, donc, hein, on a trois pièces là avec des monotypes. Donc le fond noir, j'adore, avec le qui rappelle, voyez, le tour du dessin, avec le petit passepoil doré là. Celles-là, elles sont doublées en noir. Et j'ai fait la grande pochette, mais j'ai complètement déliré. Elle est vraiment longue, celle-ci. Elle est bien, bien grande. Avec aussi les monotypes à paillettounettes, là, dont je suis très fière, je dois le dire. Et voilà. Donc, je suis très contente d'avoir fini ça. Bon, vous me direz, j'ai fait 4 pièces en une semaine. On va pas non plus griller victoire. Et c'est pas pour ça que je viens vous voir là tout de suite. Je me régale parce que donc aujourd'hui nous sommes le 31 octobre. Halloween, on va aller faire la chasse aux sorcières. La chasse aux bonbons ce soir, ça va, moi je chasse pas les sorcières. Et on a fait le petit sac. Bon, alors ça c'est des sacs de craft. Oh, bourré de moustiques, j'essaye de les attraper. C'est des sacs en craft que j'avais quand je faisais les marchés. Donc là-dessus, rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment de la team dernière minute. Je me suis dit ce matin qu'on ne retrouvait pas l'espèce de petit sac en feutre qu'on avait eu à Halloween. Et je me suis dit, on va en faire un. Donc j'ai choisi une illustration sur Pinterest de sorcière et j'ai fait un petit truc à ma sauce. Et elle m'a fait une très jolie peinture là-dessus. Donc je suis très contente. Après, j'ai repassé au crayon, au feutre. Et voilà, Halloween. Je suis très contente. C'est bête, mais on est toutes contentes de nos petits sacs. Voilà. Donc, tout ça pour dire que moi aussi, heureusement qu'il y a ma fille pour me faire dessiner. Et je vous avais dit que je revenais pour du tricot. Mais je ferai la séquence tricot demain. Là, je viens de m'imprimer, je suis toute contente. Je viens de m'imprimer des illustrations de Chloé Luce. Et Chloé Lu. At Chloé, barre du bas, il voilà, donc il faut que j'aille voir sur Instagram parce que je sais que son compte va me plaire. Je me suis offert le bundle Vive l'automne. Moi, je suis passée par Divine et compagnie. Les bundles, c'est... Là, c'était 32 e-books qu'on achète au prix d'un seul. Et c'est la personne par laquelle on passe le lien sur Instagram par lequel je suis passée qui a rémunéré cette personne. Donc, moi, je suis passée par Mélanie du compte Divine et compagnie. Gina ici. Et donc il y avait d'ailleurs il y avait l'énamouré dans ce bundle. Il y a l'énamouré dans ce bundle. J'ai un peu galéré parce que j'ai attendu avant de. Il y a eu un bug pour télécharger, mais elles ont super bien réagi. Et elles m'ont finalement j'ai mes 32 e-books. Et donc je les déguste au fur et à mesure. Et là, j'ai découvert qu'il y avait, je ne sais pas s'il n'y en a pas 15 ou même peut-être plus, des illustrations de Chloé Lu. Que j'adore, honnêtement. Et donc, c'est Chloé Dijon, elle s'appelle. C'est un carnet de coloriage pour les amoureux de l'automne, Fungi Colors. Donc, c'est dommage parce que moi, je n'arrive pas avec l'ordinateur à imprimer en couleur et mon téléphone galère en ce moment. Donc, j'aurai du noir et blanc. Mais c'est en fait un marron ocre. C'est pas vraiment du noir, donc ça doit être très très joli. Et malheureusement, c'est pareil, je n'avais que 5 feuilles. Donc là, j'en ai imprimé 4. J'ai fait le choix de mes 4 préférées. Je verrai après la cinquième laquelle je fais. Mais du coup, je vous montre. Je peux pas tout vous montrer puisque j'ai pas tout imprimé. Hop, donc une page comme ça. Et je n'ai que des. Je voulais que ce soit des feuilles où je puisse peindre. C'est des feuilles un petit peu épaisses. Je ne saurais pas vous dire le grammage parce que je les ai trouvées en vrac dans mes affaires. Et j'en ai en fait, j'ai du canson en. À 6. Non, à 3. Mais j'ai pas du A4 pour mon imprimante. Donc je me suis fait les petites feuilles parce que je pense que ça, je vais me régaler à les mettre en couleur avec. Je pense que là, je vais pas m'embêter, je vais faire de l'aquarelle. Parce que c'est vrai que j'aime bien me tester sur la gouache, mais honnêtement, c'est pas aussi agréable et facile, je trouve, que l'aquarelle. Alors après, voilà, ça m'évoque le tricot, même si je n'en tricote pas. Mais bon, je les ai trouvés absolument trop choux. Ensuite, une cuisine d'automne avec le pumpkin, là, le potiron, la citrouille
découper les fleurs qui les feuilles qui sèchent, les pots de... J'adore le sublime tapis. J'adore. Alors, ensuite les citrouilles, les courges en compagnie et compagnie. J'adore aussi, évidemment. C'est tout à fait le genre de truc qui me plaît, ça. Et la première que j'avais choisie, c'était la... La dame avec son chat à la fenêtre. Voilà. J'hésite pour la cinquième. Ah ! Et voilà, bah, j'ai fini. Je vous ai tout dit. Donc, la suite au prochain épisode. Mais j'espère réussir à m'accorder un petit peu de temps pour me mettre ça en couleur. Je pense que ça va me faire plaisir. Et c'est tellement beau, quoi. Je fais rarement du coloriage, même en peinture. Jamais. Je crois que j'en ai jamais fait en peinture. Donc, c'est l'occasion de voir si ça me plaît. Voilà. Et vu, c'est... J'ai mis... Comment on va faire la chasse au moment, du coup? J'ai mis mon petit chapeau de sorcière. Bah, il veut pas faire la mise au point. Voilà. Est-ce qu'il est pas magnifique? Allez, je vous laisse. Et je peux quand même vous en montrer quelques-unes, parce que j'ai fait une fausse panique et j'en ai imprimé d'autres. Donc là, elle est pas entière. Mais vous voyez, c'était un petit vestiaire d'automne. Trop cool. Je suis en compagnie. Donc la cuisine, vous l'avez vue. Je l'ai donnée à Alma. Ça sera très bien à faire au feutre, ça. Et lui, j'essaie de cacher la cabane dans l'arbre, trop canon. Il y a beaucoup de petits détails, c'est pas ce que j'avais envie de faire, mais je la ferai. De toute façon, je les ferai tous, c'est sûr. Le champignon, les quartiers de champignons. Et après, je pense que c'est le début avec le blabla et tout, malheureusement. Bon, ça vous en fera quelques autres, si vous avez un aperçu de son travail. Vendredi, premier jour de la promo, je suis trop contente parce que vous êtes dans les starting blocks, il y a déjà plein de choses qui sont parties. Ça va faire du vide et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que ça ne soit plus en train de dormir sur des étagères. Donc je vais avoir du boulot de préparation et c'est une très bonne nouvelle. Mais là, on va parler tricot, on va parler tricot fini. D'ailleurs, je peux vous dire que celui-là, c'était un des premiers, le premier gilet que je me suis tricoté, et c'était Christelle Nioul Little Kitchen, un patron, mais je me rappelle pas le nom du patron, et il est très joli. J'avais doublé ce motif là que je trouvais magnifique, normalement il n'avait qu'un, et c'était de la Lilou Yarn qui doit plus exister, mais alors c'est vraiment, il y a du cachemire dedans, c'est une tuerie de douceur et il est vraiment très beau, je trouve. Le problème étant que là, ça roulotte et ça m'agace, mais j'ai enfin trouvé avec quoi le mettre, cette petite robe du commerce. Et je suis bien contente parce qu'en fait, je ne me mettais plus jamais. Et en fait, c'est que j'avais pas ce qu'il faut pour le mettre avec. Et je trouve qu'avec ce vert, ça passe bien. Voilà. Et je vous parle donc d'un... Je vais l'enlever. Je vais vous montrer mon malabar terminé, qui n'est pas une franche réussite. Alors, oui et non. De toute façon, on a l'habitude avec moi. Ça me motive à me rebouger. J'ai vraiment pris beaucoup de la bouée, quoi, hein, le ventre et sur les côtés là, et je suis à l'aise avec ça, honnêtement. Voilà, je sais pourquoi c'est là, et du coup je sais aussi comment le perdre à peu près, mais je prends de l'âge et j'ai jamais été sportive, et puis en plus, vous voyez, voilà, quand je me décide à me remettre, à me bouger, à essayer des choses, je me casse le petit orteil. D'ailleurs, petit update, on a fait la chasse aux bonbons, on a marché pendant 2 heures, j'ai atrocement mal aux pieds aujourd'hui, mais je ne regrette pas du tout parce qu'on a passé un super moment. C'était la première fois pour nous deux. Alors par contre, on est à la campagne, moi j'ai parlé avec des gens sur Instagram en rentrant, ils sont restés dans leur immeuble, ils ont eu un saut entier. Voilà, nous on a fait quelques kilomètres, honnêtement on en a fait pas mal, hein. Et on avait un fond de poche, quoi, mais ça suffit largement pour Alma qui déjà ne doit pas manger trop de bonbons. Moi non plus, dans l'absolu. Voilà, donc ça c'était très cool quand même. Et maintenant, parlons, pas des choses qui fâchent, mais bon. Alors, vous allez voir, il reste, je pense, 3 fils. Celui, comme d'habitude, celui du col et les 2 des manches. Mais j'ai rentré le reste de mon joli malabar tout noir. Ah ben ça, c'était sûr, hein. Il fallait du rebond. Et ça, je vais pas pouvoir le raccrocher tout de suite.
Donc voilà, c'est la chaînette du volet qui ne me sert à rien en plus. Ah, je viens de décrocher le volet. Et ben voilà, j'ai résolu le problème. Ah, c'est pas possible. Te moque pas? Te moque pas. Elle est là, Alma, et elle se moque. Non, tu te moques pas, je sais. Bon, ça la fait rire quand même. Donc, mon malabar, qui comme d'habitude ne respecte pas le malabar initial, qui a des manches courtes, très larges, et qui est très court, et qui est surtout oversize normalement, et là il l'est pas assez. Alors que pourtant j'avais le bon échantillon, mais il y a dû y avoir un problème de calcul, hein, voilà, clair au point. Donc je vais vous l'enfiler, mais vous voyez qu'il est quand même très beau. Je vous disais la dernière fois que je savais pas où j'en étais des... J'essaye de faire un truc avec le cintre, mais effectivement, pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Je savais pas pour la longueur. Alors je suis embêtée parce que je l'ai bloqué, et il rebique au niveau du... Là, ça va pas du tout. Je vais passer un petit coup de fer après. Mais bon, je voulais vous montrer la réalité du truc. Il rebique, hein, complètement. Bon, je vais le passer un petit coup de fer pas trop chaud, histoire de le remettre en place. Alors, il est finalement trop long pour moi, pour ma morphologie, disons. Mais, bon, ça m'a un peu mis les boules, comme d'habitude, hein, parce que je suis douée pour ça, pour faire les trucs à moitié pas comme il faut. Et en même temps, si vous voulez, il y a trop de vêtements dans ma garde-robe, il y en a quelques-unes qui me vont bien en ce moment et que j'adore, c'est pas le problème. Mais je me limite beaucoup au niveau garde-robe à cause de cette morphologie où vraiment j'ai trop pris. Puis il faut pas que non plus je voudrais bien vieillir, si vous voulez, bouger me ferait du bien. Je le sais, je le sens que j'ai besoin de faire bouger les énergies, vous voyez, même si c'est pas... Alors moi c'est pas une histoire de poids, je n'ai aucune idée de combien je pèse, si... Parce que je suis allée beaucoup chez le docteur récemment, donc je sais combien je pèse. Bon, et ben je pèse comme à la fin de ma grossesse, dites-vous. Alors que vous voyez, je ne ressemble pas du tout à ce à quoi je ressemblais à la fin de ma grossesse. Mais c'est clair que je me suis empâtée. Et dans l'absolu, le chiffre, je m'en fiche complètement. Moi, ce que je veux, c'est re-rentrer dans mes pantalons, être à l'aise, et puis surtout pouvoir acheter des pantalons, parce que les miens sont vieux, je commence à en avoir vraiment marre. Tous mes vêtements de grossesse, à part un pantalon de grossesse que j'adore et qui heureusement qu'il existe parce que c'est celui dans lequel je suis le mieux, évidemment. Vous voyez, quand vous êtes vraiment à l'aise dans le seul pantalon qui vous reste de grossesse, bah, c'est dommage, quoi. Donc, je peux passer à la taille au-dessus, sans souci, mais est-ce que c'est intelligent, si vous voulez? Moi, il faut que j'ai un minimum de routine santé. C'est vraiment ça, mon objectif. Et pour autant, vous voyez, je me trouve pas moche ni rien du tout, mais bon, il y a quand même la petite boulette là, et j'ai pas envie que ça s'aggrave, et je me connais en fait. Comme je compense tout par le grignotage, je suis une gourmande, et je bouge pas assez, le truc empire, et c'est dommage, voilà. Et puis même pour mes problèmes de santé, si vous voulez, il serait bon que je me bouge. Donc je vais essayer de m'y mettre, mais bon, je vais pas devenir une grande sportive, mais c'est comme l'organisation, comme l'idée d'organiser mes repas, et ben il faut que j'arrive à organiser ça. Et je me lâche la grappe, si vous voulez, vraiment faites-le, vous aussi. Je suis pas méchante avec moi-même à ce niveau-là, et vraiment c'est un travail que j'ai fait sur moi-même, parce que j'étais la première à être méchante avec moi-même, et vraiment ça n'apporte rien. J'essaye de l'apprendre à mes enfants aussi. Je me lâche la grappe parce que j'ai une petite fille d'un an à la maison, je m'en occupe, j'essaye de driver une entreprise, je fais tout ce que je peux. Voilà, donc là pour l'instant, évidemment, j'ai pas toute la latitude pour faire ça, mais je dois quand même introduire des petites choses. Voilà, hein, on a fait un peu de gym pendant les vacances, on s'est remis à bouger toutes les trois, je vous dis pas c'est sportif justement, c'est artistique, mais je vais y arriver. Pas d'exploit, il n'y aura pas de magie, mais je vais y arriver. Donc, disons que ça m'a quand même motivée de me dire, bon, allez, j'avoue que ça est un cache-cœur que la blouse Alma, je crois que c'est Little Cozy World, un patron en couture, que m'a fait ma maman, que j'ai réessayé, qui vraiment me va pas du tout, quoi. C'est très moche, c'est très 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 serré au niveau du ventre et ça va pas du tout. Donc vraiment, je me suis dit, bon, il y a quand même un truc à faire. Donc je vous montre. Alors c'est pas une cata, hein, mais c'est censé être oversize, et si vous voulez ça l'est déjà pas là. C'est ma faute aussi, hein, parce que j'ai pas fait toutes les augmentations. Mais j'ai quand même plus de mailles que ce que je devais avoir normalement à la fin. Alors si vous voulez, mon corps a quand même plus de mailles que ce qu'il devait avoir dans le patron.
parce que j'ai récupéré des mailles des manches. J'ai fait moins, j'ai enlevé 10 mailles. 10 mailles de, à la séparation corps et manche. J'ai enlevé 10 mailles pour chaque manche. Donc, je suis partie avec moins de manches. Et après, j'ai fait une réduction toutes les 10 rangs. Donc, ça me fait des manches fitées. Et une emmanchure fitée, ça, c'est ce que je voulais parce que... alors, attention, fitée. Je voulais pas forcément que ce soit trop... Ah, d'ailleurs, on n'est pas collé à mon corps. Hein. On a ça de marge. Hein. Voilà. Mais après, ça se resserre quand même un peu alors que je n'ai pas resserré. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas tant d'ampleur que ça. Et ici... C'est pas à cata, hein, vous allez me dire ça serre pas, mais on n'est pas large non plus. Donc je peux le mettre comme ça, mais on est quand même, je trouve ça pas hyper jojo quoi. Là l'intérêt c'est que ce soit un peu plus large. Donc je suis en train de me demander si je ne vais pas tout simplement le défaire parce que même, en fait c'est joli parce que comme c'est large, ici ça ne fait pas ce truc là. Et donc bon, ben, en fait j'ai choisi la mauvaise taille, hein. Et puis moi je fais des bidouilles, alors forcément quand on fait des bidouilles, il faut s'attendre à avoir des surprises. Mais je me dis, il y a aussi le truc que j'ai peut-être pas choisi, mais bon, il n'y avait que 4 mailles de différence. Bon bref, je réfléchis en même temps, mais moi j'adore toujours autant ce petit nœud. Donc il n'est pas forcément le truc à faire quand tu as un du ventre de te rajouter du volume là, mais dans l'absolu je m'en fiche, parce que moi je trouve ça joli. Et voilà, l'idée c'est de... Hop, d'en enlever un petit peu et juste pour être plus à l'aise déjà dans mes pantalons et lui peut-être qu'il va falloir que je le raccourcisse. C'est pas non plus un pull très chaud parce que je l'ai fait en alpaca de drops. Il est chaud mais il est fin, donc c'est pas un pull de plein hiver, donc pourquoi pas le raccourcir un petit peu. Voilà, bon, il va falloir que je me motive pour ça. Si j'ai envie de le porter, je vais être motivée plus rapidement. L'avantage, c'est qu'il est tricoté de haut en bas, hein, donc j'ai vraiment juste à défaire le bas, mais c'est pas juste des côtes. Il faut que je défasse ça. J'ai rentré les fils et tout. Il faut que je défasse ça. Et il y a des rangs raccourcis dans le dos. Et donc voilà, j'ai quand même tout un petit bazar sur tout ça à défaire. C'est pas une cata, il me reste de la laine. Et je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse pour être à l'aise. Parce que vous voyez, avec cette robe, s'il était un petit peu plus court, comme ça, là, ça pourrait être très... Bon, bah, pas comme ça, mais ça pourrait être quand même très sympa. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Et j'ai pas du tout envie de le faire là tout de suite. Parce que j'ai commencé un nouvel en cours. Je vous en ai parlé la dernière fois. Je tricote, pas pour moi, mais alors je me demandais si j'allais aimer tricoter cette couleur. Il y a des couleurs plus sympas à tricoter que d'autres. Moi, à une époque, je ne portais absolument pas, et je me disais jamais de la vie, je me porterais du rose. Par contre, j'adorais le tricoter. Et ben en fait, j'adore tricoter cette couleur, c'est hyper peps. Si vous voulez, je sors du noir, donc c'est vraiment très agréable. Alors par contre, là, on passe à des aiguilles, normalement des aiguilles 6, mais mon échantillon n'était pas bon. Je tricote en 5,5. Et encore, il y avait une maille de différence avec l'échantillon, mais je me connais, j'ai toujours... Je sais pas comment je fais, je dois tricoter plus serré en rond, mais ça m'étonne, c'est rare qu'on fasse ça. Bon, je tricote serré, quoi, donc je me dis que ça ira. Ce n'est pas pour moi, parce que d'ailleurs, ça ne me va pas du tout. Ça me fait palote à mort. Mais c'est pour une amie. Et donc, je lui tricote le Chunky Frill. Je vais vous mettre le nom, là. Chunky No Frill. Et c'est elle qui l'a choisi. Il va y avoir un volant là où vous voyez la ligne de rang en vert. Et je le tricote en Charisma Unicolor Drops. C'est la couleur 7. Doublé avec de l'Alpaga Brushed Alpaga Silk 2 Drops. Couleur 26. Voilà. Et donc ça donne ça. Ça adoucit bien la Charisma. Qui est quand même, elle est super wash, c'est de la laine super wash, mais je la trouve un peu riche. Alors, c'est pas riche hein, du tout, je veux dire, c'est pas du tout une laine rustique, elle est traitée super wash. Mais on n'est pas sur une extrême douceur, et comme c'est pas pour moi, je pense qu'elle n'a pas de problème avec ça. Par contre là, le côté alpaga silk a doublé, ça rend le truc très 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 lumineux, donc il n'avait pas vraiment besoin d'être rallumé, mais encore plus lumineux, et très doux. Voilà, donc c'est super comme construction parce que on commence avec du jersey et puis on fait un col doublé comme ça avec un petit rang vert
et après on reprend les mailles. Moi je trouve ça très très joli comme finition. Après on fait des augmentations, on tricote notre petite bande pour faire le volant. Il y a des changements d'aiguille. C'est un pull en jersey, mais on s'ennuie pas du tout. Et c'est tout à fait ce qu'il me faut parce que pour que j'avance, les grosses aiguilles, le côté jersey, pas prise de tête, mais on s'ennuie pas parce qu'il y a toujours un truc à faire. D'ailleurs, j'ai réussi à faire des bêtises. À déjà défaire et refaire. Ça va, chouchou? Qu'est-ce qui se passe? Donc, petite pause, inquiétude, tout va bien. Et donc, ben, on continue. De toute façon, là, je me mets à fond sur celui-là. Moi, je suis toujours en mono en cours, histoire que ça avance. J'ai envie que ça avance et puis j'ai envie qu'elle l'essaye. Donc, je vais continuer à fond sur ça autant que possible. Et je vais bientôt arriver, je crois, à la séparation corps et manche. Hier, j'étais crevée, donc je fais des trucs simples. J'ai fait quelques rounds de jersey et on est allé au lit, n'est-ce pas, moi et ma carcasse. Donc quand j'aurai séparé le corps et les manches, je pense que je ferai un petit peu de chaque, ou du moins d'une seule manche, et un petit peu du corps, je vais voir, pour les faire essayer. Parce que voilà, il va falloir que je la voie prochainement, être sûre que... Parce qu'en fait, j'ai choisi la taille, elle était partie en vacances, elle n'avait pas de naturel. Et donc, j'ai choisi la taille absolument au pif, et j'espère que je me suis pas trompée. S'il faut que je recommence tout, je préfère pas y penser. Mais bon, je me connais, c'est tout à fait possible. Tu peux lever les pieds, ma puce, quand tu veux. Donc, sur ce, je vais m'occuper maintenant, je vais essayer de me motiver à coudre la robe sweat d'Ikati en rose fuchsia que j'espère vous montrer terminée dans le prochain vlog parce que je veux la finir ce week-end. Je vais y arriver, je pense que c'est pas très compliqué à faire. C'est le sweet jasmin, mais que je veux faire en robe ben pour sa fille. Donc elles sont belles avec son bleu électrique et son rose super fuchsia. Je sais même pas si c'est fuchsia, mais bon. Je vais essayer de me motiver à faire ça et puis je vais vous laisser tout simplement. Et je vais essayer aussi de monter ce vlog. Donc bref, il y a des choses à faire, je vous notais. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous vous portez bien. Vous faites plaisir avec tous vos projets créatifs. Je suis toujours très contente de venir vous raconter tout ça. Et je vous embrasse. Je vous dis de toute façon à très vite. Vous avez vu, je suis remotivée là. Il faut après cette vidéo-là que je monte la vidéo du potager d'octobre. Peut-être que vous en fichez des vidéos potagers, mais je le dis pour celles que ça intéresse. Il faut, comme ça, quand je l'ai dit... J'espère me motiver à le faire avant le 15 du mois. Et puis je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un bon week-end ou une belle semaine. Une belle journée si c'est le matin pour vous. Et une très très belle soirée pour ceux qui me regardent le soir. Je vous embrasse. Et je vous laisse. Ça pourrait durer des heures des trucs. Et ceux qui me regardent en déjeunant, bon appétit. Et ceux qui vont aller au lit, bonne nuit.